bonjour. Pouvez-vous nous parler de cette super journée à Marcq-en-Barœul ? Bien, bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est la 8e édition de notre salon des commerçants et des artisans. Ça s'appelle La Belle Marque. On a plus de 70 professionnels qui vous attendent. On vous invite à venir découvrir le savoir-faire, à redécouvrir le savoir-faire de nos commerçants, de nos artisans. Voilà, c'est une très belle journée. Il y a beaucoup d'animations, il y a un concours de cuisine, il y a des très nombreux lots à gagner. Voilà, en famille, entre amis, on vous attend aujourd'hui à Marcq-en-Barœul, à l'hippodrome. L'entrée est gratuite. Nicolas, on se donne rendez-vous ce soir pour la conclusion de cette journée magnifique. Eh bien, je vous dis à ce soir avec un tirage au sort et de nombreux lots à gagner. À ce soir. Merci. Céleri en brunoise. Fais gaffe, hein. Ouais. Ça se décortique comme ça ? Ouais. Fais gaffe de pas te tailler. Thank you.
pyramide. Je sais pas. Je sais pas comment disposer à droite. Et après, tu mets tout dans le saladier juste là. On va aller chercher le jambon. On va faire pareil. On va tout mélanger ensemble. On va faire une petite salade. Monsieur Rigaud, que pensez-vous de cette manifestation ? D'abord, vous dire que c'est toujours un plaisir pour moi d'être à Marc-en-Barœul avec monsieur le maire. Et c'est un territoire où tout est fait et tout est propice pour le développement de nos entreprises artisanales et commerciales. Donc c'est vraiment une très belle après-midi. Vous avez découvert des choses pas d'habitude ? Oui, alors on a des entreprises innovantes. Hein. Moi j'appelle ça des start-up artisanales. On a quelques collègues qui ont sur des produits, des nouveaux produits, des nouveaux goûts. Des métiers d'art, j'ai pu voir une dame qui fait dans le verre là, des métiers d'art, un métier d'art qui est remarquable, bien sûr de l'alimentaire, enfin voilà, on a vu un ensemble de... L'artisanat était complètement représenté ici sur ce salon. Monsieur le maire, pour vous, une grande joie aujourd'hui ? C'est un grand honneur aussi d'avoir avec nous le vice-président de la Chambre des métiers, parce que c'est une reconnaissance pour tous les commerçants, artisans et agriculteurs de la ville de Marc-en-Barœul, de savoir qu'ils sont soutenus. Vous savez, c'est un métier très individuel que d'être commerçant ou artisan. Et se sentir épaulé, se sentir soutenu, eh bien, c'est quelque chose qui vous renforce. Et également, ce salon met en valeur la grande diversité du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture marquoise, avec effectivement des gens qui ont un grand talent et puis beaucoup de courage. Parce qu'aujourd'hui, pour entreprendre, il faut être courageux. Eh bien, monsieur le maire, aujourd'hui, on peut dire que Marc a un label. Un label, effectivement, le label Marc. Eh bien, je crois que c'est une manière de nous distinguer dans une grande métropole internationale. Vous voyez, on vient d'avoir, comment dirais-je, l'organisation du design sur l'île. Eh bien, Marc-en-Barœul a sa propre image. Et cette image, on va essayer de la cultiver. Monsieur le maire, monsieur le président, merci beaucoup. Et puis, à très vite sur une autre manifestation. Merci.